Un freinage au milieu et je redémarre.
Il a manqué. Bakacha, donne le GPS. Bakita, manque le GPS. Sébastien va bien vouloir avancer pour la remise officielle. Je lance. Souvent d'applaudissements, s'il vous plaît, de silence. Voilà. Silence, il y a encore. Mm-hmm.
Bonjour les bourgeois, merci de nous rejoindre sur ce live. Désolée, je ne vous ai pas prévenu. Bon lundi et bonne semaine à vous tous. Il s'agit de la cérémonie officielle de lancement du premier marathon, le marathon international de Kinshasa, qui va se tenir, hein, la première édition va se tenir, ça sera le 30 juin 2025, donc l'année prochaine. Nous sommes en direct du fleuve Congo Hôtel. Merci, merci beaucoup. Voilà, nous prions les personnalités à bien vouloir gagner leur place. Merci. Le protocole invite Son Excellence Didier Boudimbo, ministre des Sports et Loisirs, à bien vouloir prendre la parole pour son allocution des circonstances. Monsieur le ministre. Excellences, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Monsieur le secrétaire général du sport, Monsieur le président du comité olympique congolais, Monsieur le président de la Fédération d'athlétisme congolais, Monsieur le directeur général des Vestes Médias, chers invités à vos titres de qualité, bonjour. Le marathon est une discipline mythique enracinée dans l'histoire de l'humanité qui trouve ses origines dans les exploits légendaires de la Grèce antique en 490 avant Jésus-Christ. La course a été instaurée lors des premiers Jeux olympiques modernes d'Athènes en 1896. En signe de reconnaissance pour l'endurance, la détermination mentale et l'esprit de compétition. Le continent africain y a vu des talents récompensés dans les plus hauts rangs de la scène sportive internationale de cette discipline et ont fait la gloire de plusieurs pays comme le Sénégal, le Kenya, l'Éthiopie. Sous l'autorité du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je renouvelle toute ma loyauté et grâce à la coordination de Son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, la date du 30 juin n'étant pas anodine, car nous souhaitons marquer le lancement d'une véritable diplomatie sportive en République démocratique du Congo. Cette dernière vise la promotion et le développement de nos talents à travers les sports, nous permettant ainsi de nous inscrire de manière impactante dans cette nouvelle industrie mondiale. L'organisation de ce marathon est l'une des preuves tangibles de cette nouvelle dynamique sportive et de notre engagement à élever le sport congolais. Cet événement unique mettra en exergue les développements de la ville-province de Kinshasa, rassemblera des coureurs de tout horizon, qu'ils soient amateurs ou professionnels, avec plus de 15 000 participants attendus pour relever le défi de l'endurance humaine. Nous aurons la chance d'accueillir des courses en pédestre pour la jeunesse et les femmes, ainsi qu'un semi-marathon et un marathon complet. Chaque pas sur ce parcours sera non seulement une épreuve de force physique, mais également un véritable enseignement sur la résilience et la ténacité qui jalonnent nos vies ici en République démocratique du Congo. Conscient de l'impact socio-économique, sportif et médiatique de cet événement, je m'engage à 100% aux côtés de nos partenaires, la Fédération d'athlétisme et également M. Sébastien Botary, directeur général. Déterminé à accompagner les Léopards de la République démocratique du Congo à la qualification pour la CAN Total Energy Maroc 2025 à l'issue de la double confrontation RDC-Tanzanie le jeudi 10 octobre 2024 au stade de Martyr et le mardi 15 octobre 2024 au stade Benjamin Paka de Dar es Salaam, le comité national de soutien aux Léopards, conduit par son vice-président Alain Boussi-Wasso, est passé de la parole à l'acte
en apportant un soutien matériel d'un lot important de paquets d'eau pour permettre aux fauves congolais de se maintenir en forme avant la réception à Kinshasa de Taifa Star de la Tanzanie. Tiens le bras, nous remettons au Conor, nous passons via le Conor ce colis symbolique d'eau. Nous avons remis en effet 100 paquets d'eau à notre équipe nationale pour qu'ils soient en forme par rapport aux deux rencontres qui vont se jouer jeudi et mardi prochain. Cela, c'est dans l'esprit d'aller vers cette qualification voulue par tous pour la CAN 2025. Je sais de cœur et des bénédictions, a déclaré Sabé Machini, membre du comité de normalisation de la FECOFA, qui, au nom du 11 national de la RDC, a profité de l'occasion pour féliciter la première structure de soutien au Léopard en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Président. Je crois que le peuple congolais, donc les sportifs congolais qui vont voir ces images et puis qui vont avoir cette information, ne pourront être satisfaits et puis être très contents de vous. Et c'est signe de bénédiction, ça. Et je suis en train de prendre les premières gouttes de cet eau de bénédiction. Nous sommes les enfants, les fils catholiques. Le fait que je prends cette eau, je suis en train de la bénir. Vous allez prendre cette eau pendant les entraînements et ça va vous donner un plus et la victoire sera certaine. Profitant de leur présence à la maison du football congolais, le membre du comité national des soutiens au Léopard ont acheté une quantité importante de billets, fruit de leur cotisation. Comme pour dire, ces derniers seront bien présents au stade de Martyrs comme 12e homme pour pousser nos Léopards à la victoire finale afin de baliser le chemin de la qualification pour la CAN Total Énergie Maroc 2025. Effectivement, le niveau est très, très relevé parce qu'on a vu pas mal d'internationaux qui sont venus jouer dans des clubs de Kinshasa. Et ces internationaux-là, nos anciens Léopards, nos frères, nos compatriotes qui évoluent à l'étranger et qui se sont retrouvés à Kinshasa, ils ont participé à la fête. Il y a aussi des étrangers que certains clubs ont récupérés par-ci, par-là pour venir participer à la fête. Et c'est ça ce qui a permis plus nos athlètes locaux. Et ça a créé vraiment, ça a relevé le niveau de notre championnat. Et on a assisté à des matchs de grande qualité. Il y a une très bonne organisation, il faut seulement le moyen. Le plus grand problème pour avoir le moyen dans notre pays, il faut avoir les sponsors. Imaginez jusqu'à ces jours, les sponsors qui nous accompagnent quand même, tant soit peu, c'est Okapi. Et nous cherchons que d'autres sponsors puissent venir nous aider parce que Okapi donne des téléphones, donne quand même quelque chose. Mais les autres sponsors peuvent venir au secours d'Okapi et si nous avons plusieurs sponsors, l'organisation sera au rendez-vous. Mais dès lors qu'il n'y a pas assez de moyens, c'est très difficile d'organiser quelque chose parce qu'il faut louer la salle, il faut la logistique, il faut disponibiliser quelque chose pour nourrir les arbitres que vous utilisez, c'est pas facile. Sans le moyen, c'est pas facile. Nous serons toujours limités, mais c'est comme ça que je lance un appel aux hommes de bonne volonté, aux entreprises qui peuvent nous venir, qui peuvent venir au secours des volleyball congolais et ils seront la bienvenue. Les difficultés sont énormes. Je venais de soulever ici les problèmes liés à la contrainte financière. Et effectivement, ça ne manque pas parce que dès lors que vous n'avez pas assez de moyens pour couvrir toutes les dépenses contraignantes, ça pose problème. Mais on a fait un effort de n'appliquer que le principe de dépense qualité, on couvre la dépense la plus importante
et on laisse d'autres dépenses. Et c'est pas facile parce qu'avec ça, on a eu des problèmes avec d'autres personnes, avec d'autres commissions, qu'on n'arrivait pas à donner le moyen nécessaire pour que la commission là puisse travailler. Comme vous, la presse, c'est pas facile. On n'avait pas eu de moyens pour répondre aux désidératas de la presse. Et ça pose déjà un problème. Même la commission médicale, il fallait disponibiliser une ambulance. On a manqué l'argent pour disponibiliser une ambulance, malgré qu'on a donné juste un peu d'argent pour acheter le produit. Mais l'ambulance qui était tellement nécessaire, mais on ne pouvait pas avoir une ambulance. Et ce sont des petites difficultés comme ça. Et la plus grande difficulté aussi, chaque fois qu'on doit revenir, on doit parler des règlements, on doit insister, et tel article, comment on est en train de marcher sur tel article, comment on doit protéger notre règlement, c'est pas facile, ce sont des difficultés. Et par moments qui vous met très mal à l'aise en tant que président du comité d'organisation. Qu'à la prochaine édition, notre souci, c'est la première des choses, de vulgariser les règlements des championnats à temps, pour que nous, les Congolais, le plus grand défaut, c'est d'avoir les textes, mais on ne lit pas. Et faire un matraquage publicitaire par rapport au règlement des championnats pour que tout le monde soit à mesure de comprendre, parce qu'on peut avoir les textes, on peut dire que non, on a lu, mais des fois, on n'a pas bien compris tout ce qui était dedans. Alors, nous devons utiliser d'autres méthodes pour que les gens arrivent à maîtriser les règlements, parce que c'est le plus grand problème. Et nous-mêmes, avec nos textes qui nous régissent, nous devons être à mesure de les respecter. Et pour les respecter, ces textes-là doivent être respectés d'abord dans nos différentes entités. Et dès lors que ces textes ne sont pas respectés dans nos différentes entités, ça pose problème, parce que la base, ce sont nos entités, et qui nous transmettent des athlètes déjà à problème lors de la Coupe du Congo. Et nous nous retrouvons dans... Nous sommes sur le point de retrouver ces émotions. Un mélange de joie et de peur. De quiétude et d'inquiétude. De confiance et d'incertitude. Quatre points nous en séparent. Mais nous devons encore croiser les fers. Avec les mêmes de l'autre fois. Les Taifa Stars de la Tanzanie, dans une double confrontation, le 10 et le 15 octobre, à Kinshasa et à Dar es Salaam. Une victoire est impérative. Les léopards sont prêts.